Amira, alors tu travailles le rituel suivi avec votre camarade. Allez. Alors tu te présentes d'abord. Tourne-toi. Bonjour. Tu dis bonjour. Comment tu t'appelles? Tu parles en voix. Je m'appelle. Mais Amira, toi. Amira, va. Oui. Alors tu travailles le rituel. Oh, tu vois, Amira. Il y a les papillons qui et les oiseaux qui. Oui, on a lu la date. Les mots, on l'appelle. Oui. Chaque jour, vous allez passer au tableau les enfants.
qu'ils travaillent bien le rituel. C'est bon? C'est bon! C'est bon? C'est bon! Et les enfants qui n'en font pas une bêtise. C'est bon? C'est bon! Allez, suivons le tableau. Hier, on a travaillé une leçon de conjugaison. Aujourd'hui, on a une leçon de... grammaire! Assieds-toi correctement. Alors, la leçon de grammaire, le complément de lieu. Le complément de lieu. Suivez-vous pas. Donnez-moi le titre de la leçon hier. La leçon qu'on a travaillée hier. Genèse. Du verbe lire, dire et écrire. On l'a déjà travaillé, révisez vos leçons à la maison. Alors, la leçon d'aujourd'hui, le complément de lieu du verbe. Autrefois, on a travaillé le groupe verbal, on l'a déjà expliqué. C'est quoi d'abord une phrase? Toujours on répète ça. Ça là? La phrase, c'est une suite de mots qui a un sens. On commence par une marque. Alors, la phrase, c'est une suite de mots, c'est-à-dire il y a des mots, c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, regardez cette phrase, le complément de lieu. De lieu. On va expliquer c'est quoi le complément de lieu. L'autre fois, on a travaillé le groupe verbal. Alors, Salim cache ses affaires dans ce tiroir. Suivez. Salim cache ses affaires dans ce tiroir. Où est le sujet? Emma? Salim. Où est le verbe? Alha? Cache. Qu'est-ce qu'il a ce verbe à la fin? Il a un soya, un e. C'est un verbe de quel groupe? Donnez-moi l'infinitif. Genèse, Mabda? De premier groupe. Donnez-moi l'infinitif. Oui? Caché. Caché. Très bien. Il a l'air à la fin. Il a travaillé hier. Alors, voilà le sujet et voilà le verbe. Salim cache ses affaires. Il cache quoi? On l'a travaillé. Oui, Faisal? Ses affaires. Ses affaires, c'est quoi? Sujet, verbe. Il cache quoi? Très bien, c'est un complément. Regardez. Salim cache ses affaires. Sujet, verbe, complément. Regardez. Dans ce tiroir, il cache ses affaires où? Où? Oui, Khtabi? Dans ce tiroir. Dans ce tiroir. Alors, dans ce tiroir, c'est un complément de lieu. C'est un complément de lieu. Alors, complément, dans ce tiroir, c'est un complément de lieu. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui! Et la question que je pose, c'est où? Où? C'est ça le complément de lieu. La maîtresse explique la leçon dans la classe. Où explique la maîtresse la leçon? Hein? Elle explique la leçon dans la classe. Alors, le complément de lieu, c'est dans la classe. C'est dans la classe. Est-ce que vous avez compris? Oui. Sujet. Verbe. Complément. Complément de lieu. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui. Regardez la deuxième phrase. Maman prépare le repas dans la cuisine. Où est le sujet? Jamil. Maman. Où est le verbe? Jamil. Prépare. Qu'est-ce qu'il a ce verbe à la fin? Haymet. Qu'est-ce qu'il a ce verbe à la fin? La maîtresse. Oui, Raif. E.
Maman, prépare maman. Medini. Maman, prépare. Le repas. Le repas, c'est quoi? Oui, Jamali. Jeunesse. Complément. On a le sujet. On a le verbe. On a le complément. Maman, prépare le repas. Sujet, verbe, complément. Et prépare le repas où? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Alors, dans la cuisine, c'est un complément de Dieu. Complément de Dieu. Du verbe. Ali dort dans son lit. Où est le sujet? Oui. Elle. Où est le verbe?